du propriétaire de cette nouvelle génération, plutôt restylage de Passat. Et la partie qui change le plus, c'est les feux. Hop, vous voyez juste ici la nouvelle signature lumineuse. Donc là, on a une version GTE. GTE, c'est avec donc la signature lumineuse juste en bas ici, vous voyez. Et en l'occurrence, les feux ici, c'est la grosse nouveauté avec cette nouvelle calandre de cette Passat restylée. C'est ce qui donne sa nouvelle petite personnalité. Bon, c'est pas une rupture, de toute façon, c'est un restylage. Et là, en l'occurrence, c'est assez discret. Hein. Au niveau du profil, c'est la même. Et c'est surtout à l'arrière qu'on va voir l'autre changement qui est également lumineux, puisqu'il s'agit des LED. Donc toute une histoire de LED, ce restylage, avec aussi la petite inscription Passat ici qui a été ajoutée, mais c'est très très subtil. Donc dites-nous en commentaire, est-ce que vous la trouvez élégante cette Passat par rapport à une 508 SW par exemple? Moi personnellement, je trouve la 508 SW beaucoup plus sexy, ou une Volvo V60 également. Elle a encore son petit physique de déménageur, cette Passat, qui a un peu vieilli, même si les LED lui donnent un peu plus de modernité. On fait un petit détail maintenant de l'intérieur de cette Passat. La principale nouveauté, elle se trouve ici, ce sont ces écrans. Donc une nouvelle génération du Digital Cockpit juste ici qu'on peut personnaliser avec des petites touches au volant pour mettre la navigation, la musique, etc. Et puis un nouvel écran multimédia juste ici avec une nouvelle interface plutôt pas mal en termes de graphisme et de réactivité. Au niveau de tout ce qui est finition, c'est toujours du très très bien. Hein. C'est Volkswagen, donc on va dire c'est très très beau matériau, c'est très bien fini, c'est très bien assemblé également. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'ils ont enlevé en fait la petite horloge ici. Il y avait une horloge avec une petite aiguille, une horloge analogique, et ils l'ont enlevé. Et ils ont mis à la place Passat, comme si on ne savait pas conduire dans une Passat. C'est assez bizarre, je pense qu'on va faire des économies de quelques euros par voiture, mais bon. En tout cas, je trouve qu'au niveau du style, ça perd un peu le côté haut de gamme qu'il y avait. Et cette Passat, en fait, elle est très standard. Il n'y a pas vraiment de choses premium à l'intérieur qui font qu'on a une claque quand on la regarde, contrairement à une 508 par exemple, pour ne citer qu'elle. Au niveau technologique pur, on a quelques petites nouveautés qui s'insèrent. On a ce chargeur par induction juste ici dans la partie inférieure de la planche de bord. Et maintenant, on a un port USB-C, donc ça c'est la nouvelle connectivité généraliste, donc ici, mais aussi dans l'espace de rangement juste ici. Et puis on a CarPlay sans fil, ça c'est une nouveauté plutôt pas mal. Maintenant vous n'avez plus besoin de brancher un câble pour utiliser CarPlay sur votre voiture, vous avez juste besoin de le mettre dans le petit compartiment ici, et puis en Bluetooth et en Wi-Fi, tout seul ça va communiquer avec l'écran multimédia. En tant que tel de la voiture donc c'est la version DSG, elle a une nouvelle batterie qui passe de 9,9 à 13 kW, et en l'occurrence elle donne donc une autonomie en WLTP de 55 km, c'est environ 20 à 30 km de plus qu'avant, donc c'est non négligeable comme petite nouveauté. On voit donc que Volkswagen met le paquet sur les énergies renouvelables et notamment sur l'électricité. On n'est pas dans une version 100% électrique comme l'ID3, mais on a une version hybride ici avec une très bonne autonomie. Et donc oui, on peut régler un peu comme on veut sa voiture, par exemple avec le levier de vitesse ici. Bah, si je descends, je passe en mode B, et le mode B c'est la régénération d'énergie au freinage, ce qui permet de recharger les batteries lorsqu'on roule. Sur la route, on va parler maintenant de la partie routière de cette Passat GTE. Donc c'est la version hybride rechargeable, elle était déjà disponible sur la précédente génération de Passat. Là en l'occurrence on gagne une batterie qui est plus grosse, qui va offrir une meilleure autonomie, et en l'occurrence nous, et on l'a vérifié tout à l'heure en roulant en tout électrique, on tient 50 km sans mettre une seule fois de l'essence dans cette voiture. Donc ça vous garantit des trajets du quotidien entièrement électriques, finalement cette sérénité de conduite et surtout cette efficience propre aux hybrides. À côté de ça, on a donc un moteur TSI tout à fait standard. La puissance combinée des deux fait 220 chevaux. La suspension, elle, n'est pas pilotée. On n'a pas une suspension pilotée avec un châssis adaptatif de type DCC. En l'occurrence, c'est assez étrange. D'habitude, chez Volkswagen, on a cette possibilité de mettre des modes de conduite. Mais là, pas du tout, en fait. On ne peut pas choisir d'avoir ce genre de choses. Donc, on a une voiture qui a été calibrée pour être très confortable, assez peu dynamique, mais très confortable, qui colle parfaitement à la philosophie de grosse rouleuse de cette voiture, qui veut avant tout être une avaleuse de kilomètres. On ne va pas aller faire des petites routes sinueuses avec une Passat. En l'occurrence enchaîner les bornes, et pour ça on a une nouvelle arsenal d'aide à la conduite avec notamment le travel assist qui en fait combine plusieurs aides à la conduite, notamment l'alerte de maintien dans la voie, donc c'est actif avec le volant qui vous maintient au milieu de la voie, le régulateur adaptatif qui lit les panneaux, donc qui va adapter votre vitesse par rapport à celle de la signalisation,
Et tout ça combiné, en fait, ça fait que la voiture roule presque toute seule. Il faut néanmoins toucher de temps en temps le volant pour qu'on puisse signaler qu'on n'est pas endormi. Donc voilà, c'est vraiment une voiture qui a été créée pour enquiller les kilomètres, et la technologie ajoutée lui a donné encore plus de confort. Donc c'est la voiture parfaite pour les commerciaux en l'occurrence. Au niveau des moteurs, donc on a ce GTE, donc la version hybride rechargeable qui va dire coiffe la gamme avec 220 chevaux. On a également des diesels qui sont quand même le plus gros des ventes. Les diesels qui sont entre 120, 150 et 190 chevaux, et des essences qui sont entre 150 et 190 chevaux. On sait bien sûr que la Passat, c'est avant tout la vente pour les entreprises, donc on va avoir principalement du diesel. Mais je peux vous dire que l'hybride, pour moi, représente une bonne alternative. Déjà, en termes de consommation, on a mesuré des consommations inférieures à 5 litres sur des trajets de plus de 200 km, donc c'est plutôt pas mal. Sur autoroute, on va être bien entendu sur des consommations standards, puisque le moteur électrique n'a pas d'intérêt. Donc on va être aux alentours de 6 litres, 5, 7 litres à 130 km/h. Ça reste mesuré pour des voitures qui sont quand même de 220 chevaux. Après, honnêtement, c'est une voiture qu'on va, comme je vous ai dit, conduire avec beaucoup de douceur. Donc on va être à vitesse régulée, on va laisser faire les aides à la conduite. Et donc on aura quelque chose de très sobre avec laquelle on peut faire plus de 850 km. Nous voilà arrivés au terme de notre petit périple, donc au volant de cette nouvelle Passat GTE, avec notamment un Blue Score de 93 sur 100, donc c'est le score d'éco-conduite, hein, vous pouvez noter qu'on est très très bon là-dessus, une consommation moyenne de 4,8 litres. Donc si on fait un petit tour dans les données de conduite en l'occurrence, vous allez pouvoir voir ça. Alors depuis en l'occurrence qu'on a pris la voiture, donc depuis le ravitaillement, on a fait 436 km, 11h16 de conduite, moyenne 39 km/h, on a consommé 6 litres au 100 km et 4,9 kWh au 100 km. Il nous reste encore 410 km d'autonomie, donc faites le calcul, on est à plus de 840 km en tout à faire avec un plein, ce qui est un peu équivalent à ce qu'on peut faire avec un diesel aujourd'hui sur la Passat. Donc au final, hybride ou diesel, le match est très très proche, en tout cas ce qui est à noter. Et ça, je vais vous faire voir dès maintenant, hop, le mode électrique nous a montré qu'on a pu rouler en zéro émission sur ce trajet pendant 79 km. On va parler un petit peu de la concurrence de cette Volkswagen Passat. En l'occurrence, vous avez, alors moi ma favorite sincèrement, c'est la Volvo V60, qui est pour moi le plus beau break aujourd'hui du marché, qui est juste devant la Peugeot 508 SW, qui a une plastique plutôt irréprochable. Cette Passat, elle joue, comme je l'ai dit, dans une autre cour. On est dans le gros break traditionnel des ménageurs, donc pour embarquer toute la famille, le chien, les vélos, les valises, sans avoir de soucis, contrairement à une 508 SW, où là vous allez vraiment avoir une voiture qui va être tournée vers le style plus que le côté pratique. En tout cas, moi je peux vous dire que en termes de look, elle s'est modernisée, cette Passat, mais elle n'est pas dans les canons de beauté de la Volvo et de la Peugeot. Donc dites-nous en commentaire ce que vous prendriez, vous, si vous prendriez un break aux alentours des 50 000 euros. Est-ce que cette Passat rentrerait dans le cahier des charges, ou est-ce que vous partiriez sur quelque chose d'un petit peu plus sexy? Bien entendu, on commence à avoir du premium à 50 000 euros, on commence à avoir de la BMW série 3 break, on commence à avoir de l'Audi A4, on commence à avoir de la Classe C. Donc on a un panel énorme qui se présente. Gardons quand même à l'esprit que cette Passat, elle est dispo en hybride, contrairement à la Peugeot, et puis qu'elle a tout un arsenal technologique qu'elle n'a peut-être pas la Peugeot non plus. Alors on va faire ensemble le bilan de cette Passat GTE, une voiture qui évolue, on va dire, tout dans la logique. C'est vraiment une mise à jour technologique, c'est ça qu'il faut garder en tête. Si vous êtes déjà une Passat, je suis pas sûr que ça vaille le coup de changer. Si vous cherchez par contre une routière technologique et surtout hybride, et ça c'est suffisamment rare pour le noter, en l'occurrence je pense que c'est le bon choix cette Passat, parce qu'on garde vraiment cette très très bonne habitabilité, ce coffre très très grand avec plus de 600 litres de chargement, et puis on a toute une mise à jour technologique avec le nouveau Digital Cockpit, avec cet écran multimédia qui est très bien fait, qui a une très belle interface. On a aussi CarPlay sans fil qui est plutôt cool, et puis vous avez bien entendu donc cette plus-value d'hybride rechargeable. Ça, vous l'avez nulle part ailleurs aujourd'hui sur le marché. La 508 par exemple de Peugeot, qui est pour moi la référence des grands breaks, ne propose pas d'hybride rechargeable, donc c'est vraiment une plus-value pour cette Passat, et Volkswagen capitalise dessus en augmentant la capacité de cette batterie, et donc en octroyant une autonomie de plus de 50 km en tout électrique, ce qui est plutôt bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et un petit like si vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt sur CarStation. Ciao.